Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous êtes en pleine possession de vos moyens. J'espère que vous êtes en pleine forme pour ce début de semaine. On attendait ce matin une news, elle n'est pas tombée. Mais elle est tombée à 15h de l'après-midi. Elle est tombée aujourd'hui. Ça y est, putain, on attendait de savoir est-ce qu'il y aura un reveal, ça. On le sait les gars. Et c'est un ultra qui va arriver. Moi bon, je pense que c'est un ultra. Enfin on verra après des commentaires des gens. Mais ça sent l'ultra les gars pour cette célébration saga de Cell. Et c'est logique au niveau du timing. C'est juste que j'en avais marre d'attendre. Je sais pas vous, c'était pareil. Oh j'en avais marre d'attendre. Super Vita il m'a fané le perso. En plus j'ai pas tant que ça invoqué. Je pense que beaucoup de gens qui regardent la vidéo, vous n'avez pas beaucoup invoqué pour Super Vita. Ah il y a un moment où il faut lâcher les cristaux. Même si je rappelle les gars que l'anniversaire c'est dans seulement 3 mois. Donc faites attention mine de rien. On est parti les gars sur X. Voici le teaser d'aujourd'hui, coming soon, les gars, tout simplement, pas plus compliqué que ça, un message marqué coming soon avec de l'encre, donc là, j'ai pas trop regardé les réponses de la communauté, mais même si, oh là là, il y a des chances pour que ce soit Gohan, les gars, je pense que ce soit Gohan, allez, Gohan, on parle de Gohan, mais mine de rien, les gars, regardez bien. On est bien marqué en haut sur de la campagne saga de Cell. Nous ne sommes pas sur une campagne future encore. Donc, est-ce que ça valide potentiellement le Gohan SSJ2? Je pense qu'en vrai, il y a des chances que ça soit Gohan. Mais ça reste les mêmes, choses, les gars. Oh là là. J'espère que c'est Gohan. Si c'est Gohan, c'est légendaire. Dans tous les cas, on le sait maintenant, un ultra va arriver mercredi. Donc voilà, mercredi, ultra. Bah demain, on saura qui c'est. Donc demain matin, soit demain matin aux alentours des 7h, soit dans la nuit, soit à 7h, soit 11h, soit à 15h. Parce que là, vu que c'est sorti à 15h, très honnêtement, ça pourrait être à 15h. Ça me choquerait même pas tant que ça. Donc bah, il reste pas tant que ça de possibilités. De toute façon, on a dit quoi? On a dit Cell. Alors Cell, moi j'y crois pas, encore une fois, Cell Ultra, j'y crois pas, ça serait une horrible chose. Cell Ultra serait une horrible chose. Gohan, je pense que ça serait un choix plutôt bien. Trunks aussi, en hype, moi c'est Gohan tous les jours de l'année. J'espère vraiment pour que ce soit Gohan, je croise les doigts pour que ce soit Gohan. Maintenant, imaginez... Non, je pense pas que ça soit possible de faire double Ultra. Mais là, je pense que... Non, pas Cell. Franchement, pas Cell. Je vous jure que c'est pas une bonne chose que ce soit Cell qui soit révélée. J'espère que c'est pas Cell. Et j'espère que vous aussi, vous êtes témoin que Cell serait une énorme bêtise. Maintenant, je vois beaucoup de gens qui mettent deux gifs. Je pense pas que des calls de double ultra soient possibles. Honnêtement, là, le coming soon... it's a fucking... Non, je pense pas que ça soit Cell, hein. Après, je pense pas qu'il y ait plus de teasing. En fait, là, le teasing veut juste nous dire que, en gros, demain et mercredi, il y a Nutra. C'est juste ce que veut nous dire le teasing. Après, aller chercher plus loin de savoir qui, de quoi, je suis pas certain. On va voir un peu ce que pensent un peu les gens. Alors, si c'est Trunks, les gars, je vous dis direct. Si c'est Trunks pour moi, c'est soit Trunks débardeur, soit rien. C'est soit Trunks débardeur, soit rien. Pour moi, Super Trunks, en Ultra, j'y crois pas. Ce Trunks là, bah, je rappelle encore une fois, c'est de la saga Cyborg hein, et pas de la saga Cell. Donc à partir de là, il n'a rien à faire là. Super Trunks mérite pas un poste. Ah, vous pensez en mode ils l'ont teasé un peu comme ça, du coup c'est plus que Trunks. Ça pourrait être Gohan. Pour moi, Gohan SSJ2 ultra confirmé avec ce tweet, le coming soon indique justement quelque chose d'énorme. Oh là là, vous m'hypez! Ouais, c'est ça, vrai, moi j'étais en mode ouais, ça va être Trunks, mais là. Mais non, s'ils font ça. Si vous faites ça, les devs. Vous sortez Gohan maintenant, là. Vous nous sortez Gohan tout de suite maintenant, là. Oh là là. Ah, je veux en savoir plus, c'est des chiens, ils auraient pu nous en dire un peu plus, là. Ils auraient pu nous en dire un petit peu plus. Bah, en tout cas, Métis Saiyan risque de revenir fort. Si c'est un ultra, ça va être le premier ultra Métis Saiyan de Dragon Ball Legends. Si c'est dans tous les cas, parce que... Cell, je vous dis, j'y crois pas. Donc pour moi, c'est soit Gohan.
soit Trunks. Donc ça sera un Métisane quoi qu'il arrive. Donc la Métisane va être up et c'est pas plus mal parce qu'à l'heure actuelle c'est pas la meilleure team du jeu. Et je trouve que Métisane mérite potentiellement un up à l'heure actuelle parce que bah, même en PvP Prod, c'est une team sympa, censée être une team broken. C'est loin d'être au niveau de GT, c'est loin d'être notamment au niveau même, je pense, de Movie. C'est pas au niveau non plus de ce qu'on peut avoir avec de la Cyborg, bien évidemment. Donc bah, vous me dites les amis, vous, ce que vous en pensez. Après, je comprends un peu ce que ça vous... Le fait qu'il y ait... Ah, en mode, il y a des requins qui se disent c'est pas Gohan parce que... c'est pas si bête, hein. Ils disent c'est pas Gohan parce que Gohan, il serait pas teasé avec un vieux truc comme ça. Si ça serait Gohan, on aurait un reveal. Mais sachez, les gars, qu'on a un seul reveal par mois. Et en fait, vous savez pourquoi ça serait possible que ce soit Gohan même sans reveal? Parce qu'en fait, on n'a jamais dépassé deux reveals dans le mois. Ça n'est jamais arrivé. On a toujours un seul reveal dans le mois. Et vous allez dire, bah pourquoi il l'a mis sur Super GTA, pas sur Gohan? Bah parce qu'il y avait la mise à jour, en fait. Tout simplement pour la 5.0. Je pense que c'est pour la 5.0, surtout qu'ils ont fait un reveal and stuff, plutôt que de faire ça pour le personnage en lui-même. Parce qu'évidemment, Super Vegeta, bon, on va pas se mentir, ça pourrait mériter un petit peu, mais là, ils m'ont hype. Dans tous les cas, c'est un ultra... Oh là là, j'ai combien de CC? J'ai 16 000 CC, les gars. J'ai 16 100 CC. Si c'est Gohan, je vais péter un plomb. Je vous dis très clairement, hein, si c'est Gohan, je vais invoquer comme jamais. Hein. Faut être honnête. Hein. Si c'est Gohan, je vais invoquer comme un zinzin. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'y aller. Ah, jouer avec nos couilles, ça, c'est un peu vrai. Hein. Ça, c'est un peu vrai. Maintenant, la couleur, si c'est un Gohan... Si c'est Gohan, en vrai, la couleur... Ça va être soit bleu, soit violet. Rouge, c'est juste un scandale. Je vois pas être vert. En vrai, ça va être soit bleu. Ah, peu bleu, ça serait peut-être fort un peu parce que les verts... En vrai, il faudrait qu'il soit violet. Le nouveau perso, il faut qu'il soit violet, je pense, pour équilibrer un peu cette méta. Parce que les verts, il y en a trop dans le jeu aussi, c'est pareil. Mais les verts, ils sont là pourquoi? Parce que parce qu'il y a beaucoup de rouge. Donc en vrai, c'est tout un cheminement qui fait que... Oh non, pas ça. Oh non, pas ça. Bon, ça, mais ça, non, mais alors là, on a eu Cell Transfo l'année dernière, Cell LF Rework, enfin c'est pas Rework, c'est Autodestruction, on a eu Zenkai de Cell, et attends, bah, Cell Ultra, bleu en cyborg, si ça, moi je lâche l'affaire, hein. Je veux dire, moi je, il y a un moment j'aurais prévenu, hein. Moi j'aurais prévenu les gens depuis je sais pas combien de temps que cyborg c'est un scandale, hein. Oh waouh, oh waouh, Lucas Dokkan c'est toujours un liqueur. Je crois que c'est pas un liqueur, hein, Lucas Dokkan. Je crois que Lucas Dokkan s'est retiré des leaks. Oh non, pas ça. Non, vraiment, je vous jure que ça... Non. Par contre, on a bien la confirmation que c'est Saga Cell, donc c'est sûr, ça sera pas un délire genre Mirai Gohan. Ça sera pas un délire... Trunks Débardeur, j'en suis pas si sûr maintenant. Je suis pas si sûr du tout, vous me direz ce que vous en pensez. Ah, ultra mercredi. Je pense pas que ça soit Tien non plus. Bah les gars, préparez vos CC. Hein. Je sais pas quoi vous dire, je suis choqué en vrai. Je suis choqué parce que ça sort à 15h, c'est bizarre. Franchement, c'est grave bizarre. Prenez soin de vous les gars, et puis bah, hâte de voir ça demain. On va react à ça demain, et puis mercredi, hein, duel invocation évidemment. Prenez soin de vous les gars, je vous fais de gros bisous. Ciao.